Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Donc on part, on va directement là et on va partir, on avait dit au sud-ouest, voilà par ici, pour aller chercher le débris qu'on va pouvoir enfin commencer à visiter grâce au fait qu'on ait pu choper le diamant pour la découpeuse, ce qui va... J'ai pas reconnu le son. Et je croyais que c'était en plein sud-ouest. Bon, on est déjà là. Donc il y a un problème. Je me suis encore planté. C'est plein sud. Aussi. Ah, ce serait bien là, cela dit. Nope. Par contre, il y a un truc de recherche ici. Le cimol. C'est pas des masses. Je l'avais... Oh bah on ira là. Pause. Ok, bon bah on ira là. C'est peut-être celui-là, hein, cela dit. Oui, c'est celui-là avec le trou juste à côté. Bon bah, vous voyez comme quoi. On est bon. Hop là. Allez, la découpe. Quoi? Pas un machin qui... What? Ok. Grosse déception de ma part, hein, je vais pas vous mentir. Depuis quand? Ah bah. Depuis qu'on peut l'ouvrir à la main. Tout bêtement. J'avais su. Le bureau, il est à moi. C'est une balise ici. Ah non, c'est un fragment. Merde, j'aurais préféré que ce soit une balise complète. Glide. Là, il faut que je répare. Faut que je répare. Ok. Réparateur, il est là. On va y aller, on va faire tout comme il faut. Hein. Jusqu'à ce que. Un fragment supplémentaire, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Un fragment de la baie à véhicule, ça m'aurait bien plus intéressé à une autre époque. Là, c'est fermé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller respirer un petit peu l'oxygène. C'était à ras du bord. Voilà, on est bon. Et du coup, on va y aller. Cette fois-ci, on va aller plus profondément. Pardon. Hop. What? Tu viens de briser mes rêves. Tu viens de briser mes rêves. J'ai cru qu'on pouvait partir plus profondément dans ce truc là. Apparemment non, c'est génial. Merci le jeu. De briser mes rêves comme ça, ça ne se fait pas. C'est vraiment pas sympa de ta part. Bah écoute, je me casse. Je me casse. Voilà. T'es content? Wow, wow. J'ai l'impression que c'était bien plus gros. Ok. Donc, on a la découpeuse, mais on n'a pas le canon. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir plus de wrecks. Merde, du coup. Arrête la souris. Hop. Donc, on va devoir partir. Et si on doit partir, eh ben, j'ai rien pêché du tout. Voilà. Hop. Viens là. Je t'ai eu en plein vol. T'es trop mauvais pour nager. À croire que tu serais même pas un poisson. Viens, viens par là. Faut dire que je suis pas bon pour pêcher non plus. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci. Bon bah, il y aura que des pochons dans le coin, c'est pas grave, ça va me faire de l'eau. Pour partir. Allez. Ah, raté. Ah, c'est bon. Voilà. Hop, le piper. Hop, c'est bon, je l'ai eu. On va aller cuisiner. Voilà, on va aller cuisiner sur le bord de la route. Il y a un diner. Hop, voilà. Un diner à Piper. Ah, raté. Et on va aller chercher d'autres débris pour être sympa. Maintenant, il va juste falloir se souvenir. Ouh, putain. Pourtant, tu brilles. Hein. Tu brilles comme un sapin de Noël. Mais c'est pas grave. Ok.
où on pourrait aller, mais pas ce qu'il faut. Je sais qu'on pourrait aller là où j'ai envie de faire ma base. Je sais qu'il y a des débris. Mais ce serait tellement mieux avec le... le CMOS. Je ne sais pas. Peut-être des débris plus près. Peut-être des débris plus près. Il me semble... j'espère ne pas me tromper. Il me semble qu'il y a des débris pas loin... de là. Grotte violette que j'ai, sur laquelle j'ai mis la balise. Je suis pas tout à fait sûr, ça vient de la précédente partie. C'est un souvenir de la précédente partie. Hop, on va y aller. Pas excessivement loin de mémoire. Fil de survie, où est ma balise? La balise cave violette, elle est là-bas. Hop, pardon. Et au passage, ça nous permet d'utiliser toujours un petit peu plus d'énergie pour faire nos fameuses batteries haute capacité pour le CMOS et surtout avant encore pour bonjour toi pour les comment le la baie de véhicule des débris. Okay, salut, t'es vu et il m'a vu aussi, mais c'est génial quand on se voit comme ça. Ok, on y est au bon endroit. Oh putain, j'avais raison, génial. Génial, parce que là, il va falloir que je remonte. Il est tout petit ou... il est tout petit? Non, non, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Ok, oxygène. On y retourne. Alors là, je sais qu'il va falloir que j'utilise des coupeuses. Là, c'est certain. Donc... ok. C'est bon. Ça me semblait loin. On va faire les deux, c'est pas grave. J'ai dit qu'on devait utiliser les épides pour... avoir des batteries haute capacité, donc on va le faire. Je sais pas du tout ce que, je me rappelle plus du tout ce qu'on va trouver là-dedans vu que je l'ai pas fait depuis la dernière fois qu'on est venu ensemble. Maintenant que j'ai ouvert ça, respirer un coup. Je vais quand même économiser que j'ai suffisamment d'énergie pour visiter le truc. C'est pas excessivement grand, mais sait-on jamais. Il va se mettre à faire nuit forcément. Le jour pouvait pas se lever. Eh ben non! Ah? Oh! Photo! Je peux prendre ça en... ah, j'ai pas le scan! Bon. Fragment de véhicule mobile, je l'ai déjà. Ouvrez la caisse de fourniture. Preparing the day's water ration. Oh. Léger réservoir à haute capacité. D'accord. Oh là, y a rien cette fois-ci. Ah. La porte. On demande deux véhicules mobiles. Découpeur laser alors qu'il faut utiliser le découpeur pour rentrer. Oui, je vous applaudis pas. Canon à propulsion. Oui, on va pouvoir visiter l'aurore bientôt. Mais il m'en faut deux, il y a peut-être un deuxième là-dedans, non? Ça c'est pas... non, c'était une chaise. Pas le canon. L'eau là. Ok, on va ouvrir la porte. On va remonter. Je préfère être prudent, hein. C'est mieux. Et c'est toujours plus simple. En tout cas, cet outil est bien pratique quand même. Même si je m'attendais à une accélération bien plus importante. J'aime pas quand ça commence à laguer à partir du moment où j'arrive à la surface. Ça m'inquiète. Je sais que j'ai fait beaucoup de trajets déjà. Bon, j'ai pas de lag là actuellement, hein, en dehors de ça. J'ai pas trop de raisons de me plaindre, mais bon. What? Ok, j'avais pas vu son droit.
Alors là par contre du coup ça m'inquiète. Que je vais trouver un autre bout du canon là dedans. Hop. I. Chaise de commandement. Wouhou. Alors est-ce que je vais trouver un autre bout du canon? Si. Ça. C'est que ça? On va le prendre? Oui. La découpeuse. Il y avait de la découpeuse là-dedans, bah je le saurai la prochaine fois. Pour la prochaine fois. On va faire croire qu'il n'y a qu'un seul truc de découpeuse. Enfin de commande. De canon. Papa vilain, peut pas y en avoir qu'un seul. Peur. Oh, il y en a qu'un seul. Ah, la vache. Ça me vexe. Faut bien reconnaître, ça me vexe. Ok. Ok, ok. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver la suite? Où est-ce qu'on pourrait trouver la suite? C'est ça la vraie question, parce que là, du coup... Je ne sais pas en termes de débris. On va essayer d'aller comme ça. Quoique. Ah ça fait peut-être un petit peu trop proche. Je sais que dans une zone comme ça, vous vous rappelez, on avait fait une base près d'une zone comme ça. Et près de la... dans la zone, il y avait un débris. C'est plus ou moins dans une région comme ça. Là par contre on part vraiment pas dans la bonne région, mais j'ai un souvenir qui me dit que quelque chose est le même, c'est ce qu'on vient de faire. D'accord, c'est celui qu'on vient de faire, oui. Pas bon. Je peux voir un truc, voilà. C'est ce qui me semblait. Où est la... La base, par là? Et un véhicule. Non. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu être intéressant. Je croyais que c'était autre chose. Oh, j'ai... Je crois que c'était autre chose. Bon, bah... Ah. Bizarre ici. Ok. Tiens, des arches en pierre. Et pas à 100 mètres de profondeur. Ça va être short? Non, c'est bon? C'est bon. Wouh! Pas passé loin. Alors, il y avait une zone d'herbe rouge. Bon, là, il y en a pas. Mais des arches en pierre. On serait bien dans la zone. Déjà, il y a cet endroit-là. Avant toute chose, le Simos, on l'a. Tu me veux, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux te la mettre? Tu veux te la mettre? Radiation détectée. What? Ah? T'es pas obligé de pisser partout. Dégueulasse. Hop. Ok. Rien trouvé. Mais il y a des débris. On est plus ou moins à 100 mètres de profondeur. Il y a des arches bizarres. Une autre entrée à la truc violette. Et du caca.
hurlement étrange aussi, vous me direz. Ou alors c'est la musique. Mais à mon avis, on n'est pas loin. On a chopé des radiations, vous avez vu, hein. On doit pas être très très loin. On doit pas être très très loin. Quoi ? Déjà ? Bon, si tu veux. Yo réacteur, je sais pas si j'ai dans cette version là. Je l'avais, merde. Yo réacteur. Réacteur. On doit pouvoir trouver la découpeuse dans le coin, je présume. Je présume peut-être un peu vite, hein, mais... Et je suis sûr que... On va avoir un petit peu de chance. Oh non, je crois que je me souviens de toi. Ça m'embête de me souvenir. Ouais, c'est ça, profondément dans les entrailles de la bête. On va devoir le faire. On va le faire, chers amis. Je sais pas combien on a de batterie restante. On va devoir le faire. Et on respire. C'est parti. 4%. On va pas prendre de risques. Pas de trop. Datapad. Cool. Lumière. Et véhicule mobile. Palme ultra glissante, ça peut être pratique. Calme en provision. Génial. Aussi je prends. Ça aussi je prends. C'est pas suffisant, mais je prends. Je vois aussi une porte à ouvrir ici. Commencer par l'ouvrir. Et ensuite on va remonter à la surface. Je pense. Ça va être bien mieux. Hop. On s'en sort pas trop mal, on s'en sort pas trop mal. Par contre je croyais pas qu'on allait trouver un vrai, je pensais qu'on allait trouver le truc de... J'ai jamais trouvé de la bouffe. Mais bon, chargeur de pile, c'est cool. Il en fallait deux ou trois? S'il en fallait deux, ce serait magique. Putain. Ah. Oh, ça va être short. Non, ça devrait le faire. Oui, je remonte, t'inquiète. T'inquiète. Wouh. On s'en est sorti. Bon, on a des plans pour de meilleurs... de meilleurs trucs d'oxygène, donc c'est cool. Cool, c'est cool. On devrait pouvoir dépatouiller. Pas de soucis, il y a des poissons rouges. Littéralement. J'ai pas de... Là j'en ai pas. Je sais plus si je l'ai eu. Je l'ai sans doute eu. J'avais eu. Ce n'est pas grave, donc on a eu plein de bonnes choses ici. Et plein de bonnes choses. Alors je sais pas obligé d'ouvrir la porte apparemment. Vu que je pouvais passer par là. C'est pas grave. Ça valait le coup. C'était epic. Ça valait le coup. Bon bah apparemment c'est tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Peut-être un frigo ici, mais non. Cool. Bon bah on a trouvé ce qu'on cherchait. On a trouvé ce qu'on cherchait. Ça c'est la bonne chose, la bonne nouvelle. Vite fait aux alentours si on voit pas le truc, mais j'en vois pas. La base est là-bas. Foutez les boules, vous les mecs, sérieusement. Je sais que vous êtes complètement inoffensifs, mais vos hurlements à la mort moelle, il va falloir que je m'y habitue. J'ai plus de piles du tout. Plus de piles du tout. Du coup, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire le canon à gravité, chers amis, malheureusement. On n'est pas prêt d'avoir le CMOS, c'est moi qui vous le dis, quoique. Ce serait pas une meilleure idée de faire le CMOS tout de suite. Non, je pense que ce qu'on va faire là, encore une fois, sans aller à l'Aurora, hein, toujours, on va faire le canon. Puis, voire même peut-être même faire avant palme glissante et réservoir amélioré. On verra ce qu'il faut pour ça.
En tout cas, oui, je pense que ce qu'on va faire, c'est d'abord faire progresser le personnage, la tenue, tout ça. Voir ce que ça nous apporte vraiment. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Je sais que pour l'instant... Alors, je crois qu'aussi, même jusqu'aux palmes... Ah non, les palmes sont normales. Et la question est-ce qu'on va pouvoir aussi améliorer les trucs? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va falloir aussi, parfois, un outil d'amélioration. On trouvera ça quand on l'aura, mais vous me comprendrez. N'inquiétez pas. Plusieurs fois que je le montre. Palmier bleu, bah écoute, vas-y. Vu que j'ai pas besoin de batterie pour ce truc-là, profite. C'est la fête. Ouais. Cours, toi. Jamais te faire. Hein. Hop. Alors, commençons par les palmes. Alors, le canon, kit de câblage, pile titane. C'est vraiment pas de trop. C'est pas de mal. Standard. Avoir haute capacité et vous voyez qu'on n'a pas on n'a pas le reste, donc on est allé un peu trop vite en besogne, comme on dit. On n'a pas du tout le système d'amélioration pour le moment. Outil de repérage, d'accord, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Le kit de câblage, il me faut 2 minerais d'argent que j'ai déjà. Est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'ils sont dans l'autre truc? Ah, j'en ai un ici. Hop. Ah. Oui. Du titane et une pile, on avait dit, hein. De mémoire. Alors, le désavantage, c'est que je n'ai pas de pile ici. Donc, je vais devoir aller en faire une. Pour ça, il va me falloir 2. Comme ça. Hop. Enfin, peut-être que je replante une fois arrivé sur une base. Maintenant que j'y réfléchis. Batterie haute capacité, il me falloir 2 piles comme j'ai déjà dit. Mais là, il me falloir juste un minerai de cuivre. Minerai de cuivre, je peux en avoir un ici. Non, je ressors. On va s'en sortir. Voilà. Hop. Du coup, on va avoir une pile neuve pour le truc. Qui est une bonne chose. On va pouvoir le mettre directement. 4. Bon. Hop. Là. C'est fait. Fabricateur. Personnel. Outils. Et le kit de câblage que je n'ai pas encore fait. Pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Et du coup, comme on peut pas. Comme on ne peut pas. Partir à l'Aurora à 23 minutes d'épisode, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre la bouffe, on va régler notre inventaire. On va régler les problèmes de notre inventaire. L'extincteur, je vais en prendre un. Le recycleur me serait pas utile là-bas. Fait une armoire. J'aime pas faire les armoires, honnêtement. Et bon, je les redéploierai autour et je les mettrai pour tout ce qui a besoin d'être dans l'eau. Je sais comment je me dépatouillerai. Hop, donc on a pris de la bouffe. On a de l'eau. Bon truc, cherche. Oh là là. Attendez que le menu apparaisse. Quel menu? Je suis qu'une armoire. Ok. Hop. Hop, on est bon. Ok. Grave. Et. Voilà. On a un petit peu de bouffe, un petit peu d'eau. L'eau, on la trouvera de toute façon sur place, vous verrez. Et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode maintenant qu'on est prêt. On se retrouve dans le prochain pour la. Visite de l'Aurora, tout simplement. Salut les gens, et yop!